Alors, Robuste, c'est l'histoire de la rencontre entre deux personnages, Georges et Aïssa. Georges, c'est un acteur célèbre vieillissant et Aïssa, c'est sa nouvelle agent de sécurité. Et ça reprend un peu des thèmes que j'avais traités dans mes courts-métrages, donc la rencontre de deux mondes, de deux solitudes, mais c'est pas vraiment une suite puisque c'est pas du tout les mêmes personnages. Non, c'est un scénario que j'ai écrit assez vite, je pense en 3 ou 4 mois. Et j'ai écrit en collaboration avec Marcia Romano comme consultante. J'ai eu cette idée de cette rencontre entre ces deux personnages et ensuite j'ai tissé d'une manière assez linéaire le développement de dans une temporalité réduite puisqu'ils sont ensemble pendant un mois et demi. En fait, j'écris beaucoup de dialogues et puis ensuite, au montage, je coupe pas mal des dialogues entre les personnages. C'est étrange, mais je pense que, en fait, quand on tourne avec Depardieu, on sait qu'on a affaire à une personne complètement changeante en termes de visage. J'ai pas forcément envie de le maîtriser ou de le contrôler. En plus, il est arrivé un jour avec une énorme cicatrice au milieu du tournage. Enfin, et je me suis dit, mais en fait, tout doit être absorbé par ce personnage, il faut tout prendre en fait. Ce film, je l'ai écrit avec en permanence l'idée de la mort de ce personnage, de Georges. C'était vraiment quelque chose qui a un peu guidé mon écriture du personnage. Et donc à un moment, en fait, j'avais vu la maquilleuse de Depardieu un jour m'avait montré une tête, un moule qu'elle avait fait de son visage pour faire des perruques et des choses comme ça. J'avais été frappée parce que je trouvais que ça avait quelque chose à la fois très morbide et en même temps assez fascinant et presque drôle aussi. Enfin, et du coup, on a récupéré ces trois têtes et on les a mises dans une séquence où il se fait lui-même plâtrer. Voilà, c'était un peu une mise en abîme. Le choix de Déborah, c'était dès l'écriture en fait. J'ai écrit en pensant à elle, j'écoutais des émissions de radio avec elle, j'écoutais beaucoup sa voix et ça m'a un peu bercée. Déborah, elle a suivi un entraînement très long de 3 mois. Elle a été extrêmement... ça a été très intense et très intensif et elle l'a suivi avec énormément de rigueur. Je voulais juste qu'elle soit à l'aise dans certaines chorégraphies et ensuite filmer ce truc un peu animal, voûté, de face à face qui tourne en plus parce que c'est très mobile la lutte. Mais c'est assez différent de la boxe parce que les gens sont pas debout, on est très souvent plié en deux et ça je trouvais ça très beau. Les costumes c'était intéressant, en fait je voulais que Déborah elle ait des costumes parce qu'elle a une fonction, elle a un métier, donc je voulais que ce costume il soit à la fois élégant et sobre et qu'il la caractérise dans son métier d'agent de sécurité. Georges, lui, il est vraiment, il est en chemisette pendant tout le film, parfois torse nu. Elle, je voulais qu'elle soit très structurée et que quand on la découvre dans son intimité, elle soit un peu plus découverte. Et que Georges, lui, il passe de ce truc un peu foutraque, de mélange de jogging et de chemisette imprimée à parfois une sorte de nudité, jusqu'à la fin où il est à nouveau en costume. Bon, on avait des optiques, des anciennes optiques et on voulait qu'il y ait beaucoup de matière et beaucoup que ça fasse du grain, etc. Et de contraste. Et en fait, on a énormément travaillé le découpage en amont. On avait chorégraphié tout un tas de séquences. Il y avait quand même beaucoup de plans séquences. Mais à la fin, c'est vrai que le film, il est très sur les visages. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du tournage avec Simon Beaufils qu'on allait tout le temps vers un 50 mm. En fait, on a pratiquement tourné qu'avec ça. Quoi. Avec Babix, ça s'est passé. On a beaucoup parlé, on a travaillé pas mal en amont. C'est quelqu'un que j'admire énormément et que j'aime beaucoup. On a travaillé par élimination et on est arrivé à une esthétique musicale très très sobre qui était que sur des voix. Et en fait, c'est devenu une évidence. On était parti sur des choses un peu différentes et puis au fur et à mesure, il m'envoyait des maquettes et puis on a réduit à des voix a cappella ou des voix transformées dans un logiciel qui donne ce truc un peu robotique. Mais en gros, il n'y a pas d'instrument dans le film à part des voix.